Alors, est-ce que nos partis au Bénin vont envoyer au Parlement des voyous? Non. Mais vous avez l'obligation et vous allez porter le chapeau. Monsieur le Président. Si vous envoyez des voyous au Parlement, c'est pour parer à ce genre de choses que nous avons fait la réforme qui donc s'avère pertinente. Bien sûr, absolument. Non, mais il faut les poursuivre, c'est ça. Il faut poursuivre, les résultats des partis. Oh non. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait dans le dossier du PAD des documents partis? Non, bien sûr, parce que le PAD doit être organisé, outillé. Notre administration n'est pas numérisée. Non, je ne veux pas entendre ça. Que le PAD à nouveau de Granson qui fait que dans ce dossier il y a des documents falsifiés, je ne veux pas entendre ça. Un quiproquo malvenu qui n'a d'ailleurs en rien émoussé la détermination du PRD et de son leader à cheminer coûte que coûte aux côtés de la mouvance présidentielle, convaincu plus que jamais de la justesse des actions du président de la République. Continuons donc à apporter au gouvernement et à Patrice Talon ce soutien franc, ce soutien loyal, ce soutien sans calcul. Un engagement d'autant plus admirable que pour la première fois depuis 1990, le PRD n'allait pas pouvoir concourir pour les élections législatives du 28 avril 2019, faute d'avoir satisfait aux nouvelles dispositions du code électoral. Le seul parti qui a participé à toutes les compétitions électorales depuis 30 ans. Le parti qui peut se vanter d'être le plus représentatif du Bénin par le nombre incessant de ses élus, de ses députés, de ses maires, de ses conseillers. Une déception bien légitime, mais la conviction que quelque chose de plus grand et de plus important que le PRD se jouait sous nos yeux. Et un vieux parti épris de consensus et de paix comme le PRD n'allait pas se mettre en travers de la mue politique profonde qui s'opérait. Alors, quand certaines chapelles politiques appelaient à mettre le pays à feu et à sang, Adrien Rumbedji et le PRD allaient professer la paix et la retenue. En servant la paix, vous avez servi le Bénin. En ce sens, Adrien Rumbedji s'avérera être le meilleur allié de Patrice Talon au moment d'aborder le dialogue politique national, à l'occasion duquel le PRD allait contribuer par la force de ses propositions à inventer un nouvel horizon pour ce Bénin en quête de développement. Patrice Talon est un bâtisseur. Nous saluons le bâtisseur. Nous l'avons déjà félicité. Nous le faisons encore. Nous saluons sa décision de dialoguer comme un acte essentiel. Le Bénin, avons-nous dit, a besoin d'hommes de paix. Mais le Bénin a aussi besoin, à sa tête, d'hommes de dialogue, d'hommes d'écoute, d'hommes qui écoutent leur peuple. La nouvelle page que nous voulons écrire, c'est la page, tout simplement, des prochaines élections locales, municipales, communales. Le PRD peut alors légitimement réclamer sa part du succès du dialogue politique national. Mais point d'auto-congratulation. Adrien Rumbedji a tout fait de projeter le parti vers les prochains défis, les élections locales notamment, convaincu que la bérésina des législatives devrait paver la voie aux prochaines victoires. Point de résignation donc au pays des Aïnovi, car... Adrien Rumbedji, un homme de conciliation, c'est un élément qui porte la signature de François-Xavier Noumont. Agapit Mafori, quand vous avez suivi un peu l'élément qui vient de finir, il faut dire que Adrien Rumbedji, depuis donc les années de la conférence nationale, puisque nous sommes dans la quinzaine en fait, a été également proposé lors de... Pour le premier ministre de transition, j'allais dire, mais qui a désisté au profit d'autres choses. Un homme de paix, finalement, on peut le dire. Oui, écoutez, j'ai la chance de suivre un peu la carrière d'Adrien Rumbedji. Je peux bien écrire sur ces 7 ans dernières années de Adrien Rumbedji. Je suis de la région. Je me suis refusé à militer au PRD pour mes raisons personnelles en choisissant le parti rival pendant longtemps. Donc, je connais franchement Maître Rumbedji. J'ai eu à dire sur un plateau, je ne sais pas si c'était de Rumbedji, en radio, il était dans une autre vie, où je disais à Romuald que pour moi, Maître Rumbedji s'est bonifié au fil du temps, comme le vin. Comme un vin. Ouais, il s'est bonifié, franchement. Il a acquis de la pondération. Mais il faut dire, il est resté toujours l'homme égal à lui-même, l'homme de paix. Je vais vous raconter deux histoires sur l'homme de paix. La première, c'est en 96,
C'est vrai, Tshoglo l'a pris, on aura l'occasion de Tshoglo l'a pris en sandwich. Hein, Tshoglo l'a pris comme adversaire depuis la conférence nationale. Et en 91, c'est lui, quand Tshoglo voulait imposer, mais Jadjian, quelqu'un comme président de l'Assemblée nationale, tous ses alliés ont dit jamais, tu ne vas pas gagner la présidentielle, et nous imposer encore ton président de l'Assemblée. Ils sont allés prendre un gars de l'OME, Adrien Ndji. Et donc Tshoglo l'a pris en adversaire pendant les 5 ans de Tshoglo. Du coup, en 96, quand il s'est agi de prendre le candidat, de choisir au second tour, parce qu'il a gagné, il est venu au troisième, un troisième devant Kérékou, Tshoglo, donc, et c'était lui. Donc, il était en bonne position et il avait, comme 19, il avait un score respectable pour pouvoir inverser. Il était prêt pratiquement à soutenir Tshoglo. Les instances du parti n'ont pas question, c'est Kérékou. Il a tout fait, c'est Kérékou. Et c'est comme ça que, malgré lui, il a été de ceux qui ont soutenu Kérékou. Ça, c'est quand même important, parce qu'il est maître de son parti. Il est le responsable, il aurait pu le faire, il l'a fait. Et on sait que ce n'est pas un grand ami de Kérékou. Ce n'est pas un grand ami d'Albert Tevoué qui est allé par appeler Kérékou et qui est l'autre de l'OME avec lequel moi j'ai cheminé un peu. Donc, voilà. Deuxième chose, 2001, Tshoglo va au second tour et refuse d'y aller au nom de... Il lui-même décide de ne pas y aller, tout simplement, parce qu'ayant fait la majorité de Kérékou, ayant quitté cette majorité, et ne voulant pas retourner dans cette majorité, sachant que Bruno Amoussou est là, il s'est éclipsé tranquillement à laisser place à Bruno Amoussou pour ce qu'on a appelé le match amical. Mais en 2011... Quand il était candidat de l'UN pour les élections, et l'UN voulait bloquer les élections, il y avait autour de l'UN, dans l'UN, plein de personnes qui ne voulaient pas parce qu'ils ont appelé à ce que les gens n'aillent pas prendre leur carte Lépi. Et comme c'est la Lépi qui devrait reconduire aux élections, qu'on devrait utiliser aux élections, beaucoup se sont rendus compte que leurs médias n'avaient pas la carte et ils voulaient bloquer par des méthodes comme nous connaissons. Et donc, de report en report, on me dit devrait se désister. En tout cas, au dernier moment, dire qu'il ne participait pas aux élections. Autour de lui, les gens voulaient qu'il n'ira pas aux élections. Non seulement il a appelé au dernier moment, il dit qu'il va participer. Mais au lendemain, quand il y a eu le chaos, les jeunes disaient Bouniaï comme gagnant, maître me dit, a pris une déclaration pour dire qu'il est le gagnant. Parce que là également, il a laissé son groupe agir. Le groupe dit pas question, c'est toi qui as gagné. Il a fait une déclaration pour dire j'ai gagné cette élection, je suis le président élu, je formerai un gouvernement. Quand il a dit ça, il a quitté le pays. Et il est parti. Ça a permis, ça a calmé les jeux à l'interne. Quand vous ne voulez pas votre président élu, vous faites quoi? On prend le second. Élu et ça. Donc voilà un peu les quelques manifestations qu'on a organisées à Port-Novo, à Cotonou. Ont été rapidement étouffées. Il y a eu des chats, mais le jour de l'investiture du chef d'État à Port-Novo, ça s'est déroulé au stade Port-Charles de Gaulle, tranquille. Port-Novo était en symbiose avec Bodiaï en 2011. Donc, c'est pour dire, au-delà de ce que de l'élément magistralement fait par Xavier Nouron, c'est quand, au-delà de cet élément, on peut apprécier pendant 2 heures, 3 heures la contribution de Maître Adrien Ndji à l'éducation d'une culture de la paix dans la pratique politique au Bénin. Ça, il a peut-être d'autres tas, comme tout le monde, comme tout politicien. Mais, ça... mais on peut disserter pendant 3 heures, une journée, sur la contribution de Maître Ndji à l'éducation de la paix au Bénin. Et donc, je pense un homme de conciliation, comme le disait Monseigneur de Seja en 90, je pense qu'il aime, il aujourd'hui, au-delà de la conciliation, c'est un homme de paix, un homme un démocrate. Alors, Adrien Ndji, il a un peu disparu donc depuis quelques mois. Quelle suite vous voyez pour lui en tant qu'analyste politique? Sans être magistrat, il a fini les grands combats. Oui. Il a fini les grands combats. Je pense que le dernier challenge pour lui, c'était la présidence de l'Assemblée nationale. Il a terminé. Et il a très bien terminé, à mon avis, parce que avec les lois dont il a été porteur, il a conduit le processus. Je pense que la postérité retiendra que c'est sous lui que ces lois ont été prises. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il ne peut plus être candidat à l'élection présidentielle. Troisième chose, son parti est en déclin. On saute, on descend.
le fait pour le PRD, vous voyez, c'est un peu ça aussi le problème des historiques. Le PRD est le seul parti, en dehors du PCB, donc le seul parti qui participe au jeu. Parce que le PCB est un parti vieux, oui, mais depuis, est dans une certaine position critique, dans une position de critique. Mmh. Position de critique. Donc, le PRD est le plus ancien, plus vieux, le plus actif, plus vieux et actif. Le problème du PRD, c'est qu'il ne s'est pas adapté à la nouvelle donne, c'est-à-dire la nouvelle charte. Il ne s'est pas renouvelé. Il ne s'est pas renouvelé. Et puisqu'il ne s'est pas renouvelé, il va trouver ses militants où? Pour atteindre les 10%. Il va chercher les militants où? Pour avoir les 10%. Si on doit se dire la vérité, c'est que le PRD est fini. Mais je ne suis pas à l'urne. Comme je le dis toujours, moi je suis qu'un analyste. Mm. Je me fais le plaisir toujours de dire que quand je l'ai dit, c'est implacable. Je n'ai pas de la fausse modestie, pas non plus, mais ce n'est pas mathématique non plus. Mm-hmm. Mais l'analyse s'appuie sur des données aussi tangibles. Et là, je serais surpris de voir le PRD encore jouer un grand rôle en tant que parti. Par contre, mettre vraiment que les militants du PRD m'excusent, c'est une réalité. Et maintenant, il peut me demander, comme je dis, moi je ne suis pas à l'urne, je suis un commentateur. Donc, si les urnes me demandent, là, je viendrai faire amende honorable. Absolument. Mais Maître Mehdi lui-même, je pense qu'il peut encore jouer des rôles. C'est, vous voyez, Soglo et Haï ont raté le coche, dommage. En tant qu'ancien président de la République, Albert Evoué Diré, qui a quitté la politique à un moment donné, Frère Melchior, n'a pas su rester détaché. Bon, personne, il est rappelé à Dieu, on ne va pas parler de lui. Alors, il risque. Un pays a besoin d'un médiateur national. Ce n'est pas le médiateur de la République, hein. ça c'est l'institution. Mm. Mais a besoin de médiateurs nationaux, comme furent Candidat Bernardin Ganti, par exemple. Je pense que c'est le dernier médiateur, c'est le meilleur médiateur que le pays a connu, président Ganti. Parce que je dis, j'ai vu Ganti sous le PRPB, j'ai vu sous la révolution, sans Ganti, le régime serait allé à la dérive, il y a plein de choses qui auraient été passées. Et l'Église catholique doit avoir fière allure face à cette situation. Mais parce qu'il n'y a pas que l'Église qui fait la société. Il y a aussi, parce que Ganti est parti, de ce est parti, après on a trouvé, il y a beaucoup, on a fait des errements au sein même de la même congrégation. Donc c'est pour dire que, il ne s'agit pas de l'Église catholique seulement, c'est que l'Église a créé des hommes, des hommes charismatiques, comme Bernard Ganti, comme Monseigneur de Souza, comme certains, comme Robert Sass aussi. Mmh. Hein? Comme l'archevêque de Parakou, Monseigneur Nkwe, et comme d'autres qui viennent aujourd'hui, qui prennent la parole, mais tous n'ont pas été là. Bon, donc, ce n'est pas encore le gratuit de l'Église. Alors, du point de vue civil, je pense que Maître Adrien Bouedji peut faire un médiateur national. Un médiateur national. C'est-à-dire, personne ne le nomme. Il vient de fait. Oui. Et je pense qu'il a aujourd'hui la posture, la carrure. Il peut jouer encore un rôle politique si le président Talon veut bien le responsabiliser, peut-être à l'international, je ne sais pas, il y a des postes informels. Tout comme il peut jouer un rôle aussi à l'interne, un peu. Bon, je pense que tout est dans les mains du président Talon, d'une manière. Il y a une bonne partie qui est dans les mains du président Talon et l'autre partie. Mais aujourd'hui, moi je dis, rôle par rôle, l'histoire va retenir que ces 30 dernières années, Maître Mehdi a été. C'est l'homme de paix. Si je veux être un contradicteur, sur ces 30 dernières années, c'est l'homme de paix. Il n'y a pas, je dis l'homme avec grand H, sur ces 30 dernières années, de manière d'affilée, on ne peut lui opposer personne. Il a été. Je le dis avec tellement d'assurance, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais été membre du PRD, je n'ai jamais milité, j'ai milité dans le parti rival du PRD, jusqu'à tout récent où je suis un peu plus libre. Donc, c'est pour vous dire que je ne suis pas un proche de Mehdi, mais j'ai eu le temps de l'analyser. Et je peux vous raconter séquence par séquence, c'est parce qu'on n'est plus par le temps. Exactement. Sinon, il y a tellement de séquences sur Mehdi sur lesquelles je vous démontrerai combien. Et bien, la fin de lui, il y a d'hommes. Il y a de richesse que d'homme. C'est ça la personnalité de Maître. Il a de richesse. Voilà c'est sa conception un peu. Ça a été brouillé très vite au départ de sa carrière politique par certaines pratiques un peu trop bourgeoises dans un pays
du pauvre où on a parlé de l'argent. Mmh. Donc ça, c'est l'autre versant de sa carrière politique. Mais dans le IA de richesse que dorme, vous voyez la personnalité de Adrien Boutier. Ensuite, il a fait une autobiographie qui n'est pas mauvaise, qui est également décrit sa personnalité. Je pense qu'on aura d'autres occasions pour parler beaucoup de lui. Je salue le jury pour ce choix et surtout nos téléspectateurs. Je les remercie énormément parce que c'est bien, ils nous permettent de dire beaucoup d'Adrien Boudji, mais il y a encore énormément à dire. Merci bien, Agapit Maforikan. Maître Adrien Boudji, donc à la deuxième place du domaine politique. Alors, Romuald Mouy, enfin la première place. Avant la première place, Agapit Napoléon Maforikan partageait avec nous également l'intelligence de l'homme à 19 ans. À 19 ans, il a été avocat. Il était avocat et il a dit qu'il était d'abord magistrat. Il était d'abord magistrat et c'est lui qui a raconté. Hein. Il était magistrat et puis il s'est dit, sur une affaire, il s'est dit non, cette fonction n'est pas, que franchement, c'est une fonction qui ne lui permet pas de liberté. Exactement. Que cette fonction ne lui donne pas la. C'est pour une fonction qui compte, une fonction régalienne où vous êtes là pour prononcer des sentences, vous jugez les gens au nom du peuple, vous jugez donc. Ça ne lui donne pas toute la mesure, il n'est pas dans toute l'envergure de sa personne. Il a préféré aller faire, poursuivre ses études pour devenir, enfin, pour faire le cas, la profession, pour embrasser la profession d'avocat. Je pense que ça, c'est. Et il a été très jeune par ailleurs, hein, je pense qu'il a 24 ans. Bon, c'est lui-même qui a raconté un peu ça dans un de ses. Je me rappelle, je pense même que dans le dernier livre, il en a fait cas. Ça, ouais. C'est quand même. Voilà, donc, de magistrat. Passer de magistrat à avocat. Mm-hmm. D'habitude, c'est un petit avocat pour être magistrat. Parce que magistrat, ça vous êtes vraiment dans l'une des fonctions les plus régaliennes. Absolument. Du pays. Oui. Hein, où vous, au nom du peuple, le peuple vous fait confiance et vous charge de certains nombre de responsabilités, notamment celle de poursuivre et de juger au nom, en son nom. Donc ça, c'est une grosse fonction, mais il a préféré laisser pour aller embrasser l'autre, bon, évidemment. L'autre, il a fait une belle carrière, hein, voilà, il a parlé, ça lui a apporté beaucoup de moyens. Quand même. Oui, voilà, la première place maintenant. La première place. Il faut d'abord dire que, en ce qui concerne le vote du public, on le disait, c'est un pourcentage de 60%. On a recueilli 30,24% pour le vote du public. Et le vote du jury, c'est 34,66%. Mm. Et nous sommes retrouvés à 64,90%. Je parlais de Maître Adrien Boudji, c'était 60,90%. Donc vous voyez qu'il y a 4% de plus en ce qui concerne la. C'est quand même assez serré quand même. Tout à fait, tout à fait. Et les raisons. Je voudrais partager avec vous les raisons du public. Le public estime que depuis avril 2016, peut-être ça peut être des indices pour vous, depuis avril 2016, le Bénin connaît un certain nombre, une certaine transformation en termes de réformes courageuses, en termes d'un certain nombre de mises à exécution, de projets innovants. Par exemple, le public a parlé par exemple du projet asphaltage. Bon, vous pouvez penser peut-être au ministre José Didier Tonato. Oui, c'est mais depuis avril 2016. Oui, les deux. Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc, on parle d'un rayonnement du Bénin en termes de diplomatie. La diplomatie est devenue offensive, alors qu'au début, on reprochait au gouvernement qu'il y avait quand même, en fait, qu'on hésitait, alors qu'il y avait une carte. Diplomatique qui était restructurée au début et tout cela. Donc, ce sont là les raisons que le public a données pour pouvoir choisir celui qui occupe aujourd'hui la première place donc de l'homme de l'année. Et c'est bien politique. Le président de la République, Patrice Talon. Eh bien, Patrice Talon, donc à la première place, domaine politique, l'homme de l'année 2019. Les raisons, vous les avez évoquées tout à l'heure. Agapit Maforikan, Patrice Talon, on l'a retrouvé, il faut le dire, l'année passée, pour l'homme de l'année à la première place. Cette année encore, il est à la première place. Beaucoup pourraient dire que c'est fait exprès.
Ah non, enfin, il peut le dire. Ça, là où il y a des choix que les gens disent, c'est pas ça le problème. C'est ce que vous avez comme consistance dans ce que vous avez à dire. Et comme moi je le dis souvent, moi je suis un analyste, mais je suis un fier analyste. Ça dit que quand je parle et quand je fais mes analyses, je dis toujours, j'attends la contradiction. Mmh. Par la science infuse, nul n'est là. Mais qu'on vous apporte des faits qu'on fait pour qu'on puisse comparer. Parce que il s'agit pas, quand on veut analyser, on n'analyse pas du néant. On n'analyse pas sa propre pensée, on analyse les faits, on les juxtapose et on les confronte, on regarde l'histoire et on déduit quelque chose avant de conclure. Voilà, donc du coup, on ne peut pas interdire à ceux qui veulent parler de parler, mais moi j'ai confiance au jury. Et parce que j'ai confiance au jury, parce que c'est vrai que j'aurais été partagé entre Mme Ngoudji et Patrick Talon, mais pour 2019, intrinsèquement. Oui, c'est vrai, j'aurais été partagé pour 2019 intrinsèquement. Parce que rien ne vaut la paix, c'est vrai. Hein, pour 2019 intrinsèquement, si c'est moi qui choisissais, je prenais effectivement Adil Mbidi. Ça, c'est vrai. Mais cela dit, Patrick Talon, on ne peut pas ne pas arracher. On ne peut pas regarder 2016. On ne peut pas regarder depuis 2016. Parce que c'est une succession d'actions. Lui, il n'a pas eu d'asphaltage. Mais moi, si je dois analyser Patrick Talon en 2019, c'est même pas sur l'asphaltage. Oh, ils ont tellement raison, les populations, parce que c'est ça qui les impacte. Exactement. C'est sûr, ça, vous voyez Cotonou, mais Cotonou a changé. Rien que ça, moi, je ne parle pas de Porte-Nouveau. Mm. J'y suis tout le temps, j'ai grandi là. Mais le jour où on a ouvert les voies à Porte-Nouveau, mais c'est comme si Jésus était descendu du ciel dans cette ville. Ça, c'est de l'asphaltage. Et quand j'entendais des gens dire, un peu avant, oh, c'est maquette. Allez, vous entendez ça? Qu'on n'aura pas ça de manière physique. J'ai même vu des gens très économistes de renom qui me disent, mais il va financer ça comment? Comment il va financer? Je ne veux pas utiliser l'expression triviale et grossière qu'il a utilisée à l'époque. Mais la même personne, en deux bouteilles de bière le 2 ou 3 août, le 5 août, voilà, lundi, me disait, je me suis trompé. Et là, bon, il dit, non, je me suis vraiment trompé. Ce monsieur, c'est un chenille. Je dis, ah, il dit, oui, c'est un chenille. Il dit, non, frère, c'est qu'il ne fait pas du bruit et il produit de l'action. Il dit, ah bon, tu vois, c'est toi qui as dit que c'est marqué. Je dis, oh, il dit, ouais, je capitule. Il dit, désormais, là, je deviens talent. Je dis, ah, tant mieux pour toi. Donc, c'était un débat privé, mais il se reconnaît, si je me suis. Celui qui l'a dit, qui est un économiste, important. Excusez. Oui. Qui est un économiste important. Donc, qui a fait ce... C'est pour dire que beaucoup de Béninois découvrent le président Talon et son mode de fonctionnement. Il n'y a pas d'être. Vous savez, ces choses-là, on a déjà ce glow. Est-ce que c'est pas vrai qu'on va manger? Celui qui l'a dit est devenu après ministre de TP. De paix à son âme. Et Camarou fait ceci. Et lui-même est revenu là-dessus pour dire, mais je m'étais trompé. Au moins, je le disais, je n'ai pas pensé que je serais ministre de TP. Et maintenant que je suis ministre de TP, je me rends compte de combien de fois la route, c'est le développement. On dit, le développement, la voie de la route est la voie du développement. La voie du développement passe par la route. Hein, un truc comme ça. Il y a un jeu de mots sur ça. Okay, route et développement. Mais moi, je suis de ceux qui ont le plus convaincu qu'il y a un lien entre la route et le développement, que je ne suis pas du tout convaincu par la démocratie et développement. Et la littérature de la boule que tout le monde a reprise et qui nous a enfoncé dans des guerres, des fratricides et dans des approximations démocratiques, dans des mimétismes mal maîtrisés ou dans des tricheries savamment organisées et assumées. Non, c'est pas ça. Moi, je fais le plus facilement le lien entre la route et les infrastructures routières gros, et le développement, que je ne le fais pas trop, donc relativement à la limite entre la démocratie et le développement. Encore faudrait-il définir de quelle démocratie et nous parlons et à quel niveau du monde, quel endroit. Parce qu'il y a des démocraties, il n'y a pas une démocratie, à mon avis. Donc on revient un peu à la gestion Patrick Talon. Boudi, moi je n'aurais pas regardé ce volet pour 2019, j'aurais beaucoup plus analysé son comportement également, comme je l'ai fait pour M. Adrien, dans la crise politique. Vous savez, si depuis 30 ans, on trouve aujourd'hui que Patrick Talon fait de merveilles, c'est parce qu'il ne recule devant rien. Il vous trace la feuille de route. Il montre l'objectif. Enfin, il a l'objectif qu'il a déjà annoncé.
La feuille de route est tracée, il faut le découvrir. Et dès lors, il fonce. Aucune difficulté ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Mais le, ce qui est son talent, l'année dernière, en 2019, c'est que dans le cadre des réformes politiques, c'est qu'il a pris de court tout le monde. Pris de court, ce n'est pas négativement. Corps concours électoral convoqué très tôt. Cette affaire de. De conformité. Lui, il a convoqué le corps électoral. Les gens sont allés à la Cour constitutionnelle. Ils ont dit oui, mais la réforme par décision présidentielle là, vous amène qu'à mi-mars, ces anciens partis n'existent plus. Oui. Donc, vous devez confirmer que vous êtes en conformité. Les gens ont commencé le problème. Il est ruiné. Il a sa peine. C'est que à chaque fois qu'une difficulté arrive, il rappelle les gens pour tenter la solution. Et ainsi de suite. Si la classe politique s'est laissée conduire dans cette nouvelle dynamique, on n'aurait pas eu les crises. On a eu les crises parce que certains se voyaient totalement dépassés. C'est un peu comme quand vous travaillez, quand vous vous amusez et que quand l'autre, sans qu'il est perdu dans le jeu, il gâte tout. Je me rappelle, c'est pas pour vous faire l'apologie, mais vous jouez, vous fabriquez des jeux, tu vois que tu es en train de perdre. Et tu gagnes tout ça pour ne pas perdre. C'est ça que les gens ont tenté de faire. C'est ça qu'ils ont tenté de tout bloquer parce qu'ils se sont voyés. Et quand c'est facile, on met ceux qui ont pouvoir au pilori. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un à un, les instances internationales qui sont garantes de ces choses sont venues donner raison à Patrice Talon parce que tout s'est déroulé dans la matinée. Donc, pour moi, l'homme de l'année, c'est de nous avoir conduit à faire des législatives 2019 envers contre tout, à aujourd'hui consommer le système partisan et à ne plus reculer pour une fois depuis 30 ans. Que dis-je? Depuis 60 ans. Pour la première fois, nous avons lancé une réforme et on n'a pas reculé jusqu'au bout. Si il dit, que dis-je? C'est parce que je rappelle 72, la révolution, peu ou prou, que le coup l'a conduit quand même pendant près de 20 ans, 18 ans. Sinon, on peut dire que Patrice Talon, depuis l'indépendance, aura conduit, le premier président a conduit une réforme aussi politique et contraignante. Et peut-être difficile, mais l'aura conduit jusqu'au bout. Et aujourd'hui, nous avons 12 partis dans le cadre de réforme du système partisan. C'est un talent. On va suivre l'élément qui a été réalisé donc, sur le chef de l'État, Patrice Talon, et on pourra revenir pour un peu le commenter. Cette année sera pour nous. Patrice Talon, le 6 avril 2016. Je m'engage à promouvoir une justice indépendante, la même pour tous, accessible et efficace, ainsi qu'à redynamiser et moderniser l'administration publique. La compétence sera désormais le principal critère de promotion des cadres au poste de responsabilité. Je travaillerai à réduire, puis à éradiquer la précarité en assurant dès à présent la protection des plus démunis ainsi que l'accès pour tous à l'eau et à l'énergie en tant que droit inaliénable et facteur de développement. Jamais un chef d'État n'aura fait tant rêver les Béninois depuis son avènement au pouvoir. 8 mois après son investiture, il décline sa vision dans un ambitieux programme dénommé Bénin révélé. Le document suscite émerveillement et nourrit l'espoir d'un Bénin meilleur, avec à la clé des investissements de l'ordre de 9 000 milliards. Il sera l'instrument unique de pilotage de l'action gouvernementale et servira pour la programmation des activités des ministères ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État. Nous avons conscience que nous avons notre destin en main. Nous avons les moyens de transformer notre économie, de réformer nos institutions et de donner les mêmes chances à tous nos compatriotes. C'est cela également le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. C'est cela le programme Bénin révélé. J'ai confiance parce que je sais qu'il n'y a pas de défi plus noble que celui de révéler un pays à lui-même et au monde entier. Faites-nous confiance et ensemble, nous allons relever le défi.
Exactement. Le président Patrice Talon se veut réformateur. Ses actions ont permis d'instaurer une gouvernance de qualité basée sur la lutte contre la corruption, la transparence dans la gestion des fonds publics et la promotion d'une justice moderne, efficace au service des populations. Et depuis son avènement au pouvoir, il s'évertue à accroître ses performances. En conjuguant nos efforts et en plaçant l'intérêt général au-dessus de tout, nous sommes capables de relever tous les défis. Nous pouvons faire de notre pays une référence. Un peu de rigueur et de sérieux au travail, davantage de foi en nous-mêmes et plus de patriotisme nous seront nécessaires pour y parvenir. Tout cela est à notre portée. 2019 fut une année de grandes réformes, de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 à l'adoption du nouveau code électoral et de la loi sur le financement public des partis politiques, en passant par la modification de la charte des partis politiques et le toilettage de la loi sur le statut de l'opposition. 2019 aura été l'année de la concrétisation des grandes réformes politiques. Tout est arrivé dans l'ordre et a commencé par les législatives d'avril 2019. Des législatives auxquelles aucun parti de l'opposition n'avait pris part parce qu'il n'était pas conforme à la nouvelle charte des partis politiques. Le processus électoral a donc été l'aboutissement d'une réforme difficile, à la fois souhaitée et redoutée, la réforme du système partisan. Cette réforme était souhaitée parce qu'elle était attendue de vieille date, autant par les citoyens, la société civile que par les acteurs politiques, pour redonner confiance aux uns et crédibilité aux autres quant à l'importance de l'impact du système partisan sur la qualité de la gouvernance du pays. Elle était redoutée parce que, inévitablement, elle remettrait en cause les acquis des acteurs de multipartisme débridé que nous avons cultivé depuis bientôt 30 ans et qui est la cause principale d'une mauvaise gouvernance, source de notre sous-développement. C'était donc en soi une réforme risquée. Les élections législatives ont connu une participation de 27,12%, un taux historiquement bas depuis les premières élections de 1991 qui consacrèrent le renouveau démocratique et le multipartisme. Les 1er et 2 mai, des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté autour du domicile de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, qui avait appelé au boycott. Des proches de l'ancien président avaient annoncé que la police avait encerclé la maison de leur leader. Mais comme par coïncidence, l'événement est survenu à la fin de l'ultimatum que les deux anciens présidents avaient lancé à l'endroit du chef de l'État béninois. Les partis et personnalités politiques membres de la résistance nationale donnent jusqu'à demain, au plus tard, pour que les exigences que nous avons présentées deviennent enfin effectives. Notre patience a des limites. Le pays de Biazé, de Biaguera, de Kaba, c'est inacceptable. Talon marchera sur notre corps, je vous le jure. Ne nous embarquons pas dans n'importe quelle aventure. N'embarquons pas notre peuple dans n'importe quelle aventure. N'embarquons pas notre jeunesse dans n'importe quelle aventure. Ne faisons pas cela pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts du peuple béninois. Qu'il y ait des récriminations personnelles entre dirigeants, entre responsables, gérez-les à votre niveau. Réglez vos problèmes, mais ne les mêlez pas à la question du pays. Si nous ne risquons rien, nous n'aurons rien de mieux. J'avais conscience que parce qu'elle a vocation à bousculer nos acquis et habitudes, à ébranler nos certitudes, cette réforme occasionnerait des querelles politiciennes. Nous nous y sommes courageusement engagés, mais certains d'entre nous n'ont pas su faire preuve de sagesse, de mesure et de patriotisme. Leurs actions ont été d'une violence inédite. Cette épreuve-là, autant elle aura été rude, autant elle devra nourrir la naissance d'un nouvel idéal. En effet, nos incompréhensions, nos heurts, nos contradictions et même nos dérapages ne doivent pas avoir pour conséquence de nous ancrer dans l'immobilisme et dans nos travers.
Tout ce qui nous est arrivé doit être utilement mis au crédit d'une crise de croissance de notre processus démocratique. Le Bénin a su user de son génie pour traverser ces moments difficiles. Et cela ne doit plus jamais se reproduire. Cette épreuve-là, elle doit nous unir davantage et nourrir notre marche vers le développement. Le chef de l'État, Patrice Talon, ne s'est pas limité à cette adresse. Il a multiplié des rencontres avec les acteurs politiques pour rétablir la convivialité politique. Là, on était le lundi 15 juillet 2019. Nous sommes capables de reconstruire ensemble ce qui est abîmé au sacrifice de nos intérêts individuels et de nos égos. C'est tout le sens de la rencontre de cet après-midi qui constitue l'entame du dialogue politique que j'ai annoncé au lendemain de la grande controverse électorale suivie des épreuves qu'il n'est plus nécessaire de rappeler. Pour l'étape d'aujourd'hui, je n'ai invité que les formations politiques en attente ou en souffrance de personnalités juridiques. L'objectif de cette rencontre a été donc d'échanger pour trouver des voies et moyens pour permettre de conférer aux partis le statut juridique politique leur permettant de participer aux débats et aux compétitions politiques. À la prochaine étape, c'est tous les partis politiques régulièrement constitués qui seront invités à nos échanges pour évoquer et convenir ensemble des retouches nécessaires à apporter à la charte des partis politiques et au code électoral. Et bien sûr, sans remettre en cause la nécessité de réformer notre système partisan. L'étape qui a suivi fut celle du dialogue politique, qui s'est tenu du 10 au 12 octobre 2019. Pendant 3 jours, les délégués des différents partis politiques ont échangé et ont présenté des recommandations. L'accélération du processus de vote de la loi sur le financement public des partis. Troisième point sur lequel le consensus s'est largement dessiné, et plus facilement d'ailleurs, c'est l'équité dans la représentation du peuple. Mais ils ne se sont pas arrêtés au poste électif. Ils ont voulu que la question de l'équité au regard de la femme béninoise soit également perçue à travers les nominations. Les participants ont convenu du renforcement, que le renforcement de notre modèle démocratique passait par l'actualisation. Les effets sensoriels de ces moments inoubliable que nous partageons aurait certainement traduit à suffisance mon état d'esprit. J'ai la chance que ma couleur de peau masque mes émotions. Les propositions d'amélioration aux tests que vient de nous formuler le rapport feront bien l'objet d'une appréciation attentionnée de la part de mon gouvernement qui, je vous le réaffirme, prendra toutes les responsabilités qui sont les siennes. Mesdames et messieurs, chers participants, il en sera de même en ce qui me concerne personnellement. Je voudrais, émotion faisant, ne pas aller plus loin et vous dire que sur cette note d'assurance que je voudrais déclarer clos le dialogue politique qui nous rassemble. La réalisation de ces recommandations donc conduit à la révision de la Constitution, saluée aussi bien par les citoyens que par les acteurs politiques. Comme nous le savons tous, la question de la révision de la Constitution est une question qui a traversé plusieurs gouvernements. Aujourd'hui, comme c'est fait, eh bien je dis bravo.
Maintenant, on peut passer à autre chose. C'est ce que je dis. En l'état tel que les choses sont présentées, c'est positif. Maintenant, on sera beaucoup plus soulagé, satisfait, si dans la mise en application, les articles sont respectés. On est fatigué de vivre les mêmes choses. Aucun développement ne se fait sur place. Si nous voulons vraiment développer le pays, nous allons procéder à la révision de la Constitution. Nous allons procéder à un nouveau départ pour mieux penser les choses. Au-delà de toute politique, nous avions effectivement besoin. Le peuple en a besoin que les gens cessent de nous manipuler. Au cours de ces révisions, nous avions fait quelques lectures des articles qu'ils ont touchés et nous avions vu que ce sont des choses qui doivent apporter le bon vivre au peuple béninois. Et pour prouver une fois encore sa bonne foi, le chef de l'État est allé jusqu'à même souhaiter le retour de son prédécesseur qui aurait été impliqué dans les violences post-électorales. C'est tout mon souhait que le président Boninia y rentre au Bénin. C'est l'ancien président du Bénin. Mon souhait était qu'il rentre, qu'il montre au peuple béninois que nous sommes capables de tirer un trait sur cet événement difficile pour nous et que chacun, dans la sagesse, continue de contribuer à un environnement de paix, de développement. 2019 n'est pas que politique, c'est aussi du social, mais aussi et surtout de l'emploi pour les jeunes. N'avons-nous pas fait un certain chemin en ce qui concerne l'électricité, l'eau, la santé, l'éducation, les actes de naissance, la sécurité dans nos contrées et sur nos routes, les routes intercommunales et interrégionales, l'asphaltage en cours dans nos quartiers, les pistes rurales, la production agricole, le football, etc. Ce sont là autant de repères qui témoignent des fruits de plus en plus visibles de nos efforts collectifs. La dotation de 6 milliards de francs CFA, affectée en mars dernier au microcrédit aux plus pauvres, sera portée à 10 milliards de francs CFA au titre de cette même année 2019. Ce même montant sera reconduit chaque année pour le renforcement des fonds de microcrédit aux plus pauvres afin d'impacter toujours plus de bénéficiaires. Dans la même logique, j'ai décidé avec le gouvernement d'instituer un programme spécial d'insertion dans l'emploi. Ce programme consistera à recruter chaque année, à la charge de l'État, 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques sur une période de 2 ans, avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion. Ou alors qu'ils seront volés de leurs propres ailes dans l'auto-emploi. Tout le Bénin en chantier. Tout le Bénin en chantier. Et il n'a pas laissé une région au détriment de l'autre. Donc partout où vous passez dans le Bénin, là, vous trouvez que les travaux avancent. Les bitumages, des ponts. Et ce n'est pas pavé, hein, c'est des bitumages de grands travaux. Partout où vous passez, c'est des bitumages. Il a su jouer les atouts pour amadouer un peu les ténors politiques. Et aujourd'hui, je crois bien qu'il a la paix dans le pays. Jusqu'à présent, je crois bien que ça va. Pendant 25 ans, les gens nous ont dupés. Ils nous ont... Moi, je ne sais pas, le président Talon, je ne sais pas s'il a 2 têtes. Hein. Et c'est un homme d'affaires qui travaille comme ça. Nous avons eu à la tête de notre pays des chercheurs et maintenant des financiers. Des gens qui connaissent bien. Moi, avec le président Talon, qui est un homme d'affaires, et je vois ce qu'il fait. Vous voyez, en 3 ans, vous avez vu ce qui se passe dans tout le Bénin. Mais quand vous prenez un aveugle aujourd'hui, vous le prenez sur une moto. Quand vous faites passer sur des voies dans Cotonou ici, il va vous demander si c'est vraiment Cotonou qui est en train de passer. Parce qu'il est sans plus les secousses. Quand on rentre dans les trous, sortir, c'est qu'il ne sent plus ça. Donc il sait même là où il sent déjà que quelque chose se passe. Ces opposants, soi-disant opposants, ils nous rapportaient quoi? Lorsqu'ils allaient à l'Assemblée là, qu'est-ce qu'ils nous rapportent? Il faut des présidents comme Patrice Talon pour ce pays, le Bénin. Parce que partout dans le Bénin, il est à pied d'œuvre. Il est en train de travailler partout dans le Bénin. Moi, j'aime ça. J'aime de paraître présent pour l'année de 2019
Moi, je l'ai beaucoup félicité. Le climat des affaires s'est amélioré, en témoignent les différents acteurs du domaine. Alors, le climat des affaires est, de mon point de vue, plutôt positif. Enfin, on est implanté dans d'autres pays d'Afrique, comme le Cameroun. Ici, on est sur un climat qui nous semble extrêmement favorable, puisque on sent qu'il se passe des choses, on sent que les gens sont rentrés dans une dynamique d'émergence qui est très forte et très palpable. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on apprécie beaucoup la lisibilité de la vision du gouvernement sur la politique de taxation et les politiques d'impôts, enfin, qu'on trouve extrêmement lisible. Et c'est extrêmement rassurant pour l'entreprise étrangère qui vient s'installer dans ce pays. Et donc, pour nous, c'est extrêmement rassurant. Parce que l'idée que nous nous faisons de la manière dont nous devons nous développer dans le pays, c'est que nous disons la richesse, la valeur n'est créée que par les entreprises. C'est elles qui créent la richesse, c'est elles qui créent la valeur. Je pense que le Bénin aujourd'hui offre plus de facilité que le Bénin hier, définitivement. Déjà, il y a un progrès. Il y a des efforts qui sont faits pour améliorer, pour faciliter les affaires, c'est-à-dire amélioration des infrastructures routières, notamment, amélioration des infrastructures de télécommunication, avec de la fibre optique qui est posée un peu partout dans le pays, ce qui accélère les communications Internet, avec aussi une amélioration des infrastructures au niveau de la production et de la distribution d'électricité pour éviter les coupures et pour avoir un courant de qualité, notamment pour les industries. C'est important quand on a des machines de s'assurer que le courant est continu et de qualité, etc. Et il y a aussi des réformes à bien des niveaux qui sont enclenchées et qui petit à petit commencent à produire leurs effets pour améliorer le climat des affaires. Le Bénin a su faire face à la fermeture des frontières nigérianes. Économiquement, le taux de croissance est passé de 6,8% au premier trimestre à 7,2% au deuxième trimestre. C'est sans oublier la première place occupée par le Bénin dans le classement d'indice d'ouverture sur les visas. Comment ne pas évoquer la performance des écureuils à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019? Bravo. Vous avez vu dans la rue, mes frères et sœurs sont heureux, sont ravis, sont fiers. Je suis le moins indiqué pour vous exprimer cette fierté, cette reconnaissance, la faveur de vos concitoyens, de vos frères et sœurs, de votre bien. Moi, je serai champion d'Afrique. Et puis, on ira dans le carré final à la Coupe du Monde. Et on sait. Une année de grande prouesse pour Patrice Talon et de grandes performances pour le Bénin. Des exploits ont été réalisés. Des espoirs qui témoignent qu'en réalité, que l'heure du développement du Bénin a enfin sonné. Je vous remercie. Cette année sera pour nous. Un magazine qui retrace un peu toutes les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Donc, première place, domaine politique de l'année 2019. Agapit Maforikan, l'élément, vous l'avez suivi. Tout le monde est d'avis, c'est l'homme qu'il faut. Il est bienvenu, en fait, pour faire redresser un peu les choses. Et finalement, est-ce que cette place de chef de l'État ne le favorise pas un peu par rapport à ce classement? Oui, sans doute, puisque Patrice Talon n'a pas 40 ans, il n'a pas 10 ans. Il a déjà un certain âge, comme dirait l'autre, il doit 63, 64. Donc, il est au Bénin avant d'être chef d'État. Très peu connaissaient le nom, beaucoup dans les sérails des plus pays savent qu'il y a un homme d'entreprise, un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise nommé Patrice Talon, oui. Magnat du coton, du ci ou du ça. On a lu ça dans beaucoup de documents internationaux. Voilà, donc, et puis comme il assistait ponctuellement certains ici et là, qui avaient besoin parfois de sa générosité
financière, donc se rapportait à lui autre. Donc, on le connaissait. Mais depuis qu'il est chef d'État, il donne toute la. Il se libère, il donne toute la mesure de son art, l'art politique, dans lequel peut-être très peu ne le connaissent pas. Oui, effectivement. Mais puisqu'il est. Il est chef d'État, il se livre beaucoup plus et on découvre l'homme, cela dit. Avant lui, il y a eu beaucoup de chefs d'État. Alors, ce n'est pas Mathieu Kérékou, pendant ses 10 ans de pouvoir, qui ne voulait rien toucher, qui ne veut perturber personne, qui ne veut surtout pas oser, parce que lui, il estime que c'est pour lui que la Constitution a été écrite et que lui ne veut déranger personne. Voilà, donc au terme du mandat duquel on a écrit dans beaucoup de documents qu'il a laissé la corruption se dégénérer, il a laissé l'État scléroser, voilà, c'est les conclusions. Et ça ne fait pas de moi. Ce n'est pas le président Yahi qui a prôné le changement, qui a découvert que le changement ne peut advenir qu'avec la révolution, mais qui a fini son recul à chaque difficulté. On aurait pu. Et donc, le président Yahi a travaillé, on ne peut pas dire. Mais quand vous, est-ce que dans une année donnée, peut-être que si ce label existait encore, si cet indice existait, homme de l'année, peut-être que Yahi aurait gagné une année. Une année, mais Talon vient d'en gagner 2 années de suite. Oui. Tout simplement parce que Talon ne recule pas. Yahi reculait. Kérékou n'a rien fait. Il n'a pas agi. Il a laissé les choses en l'état pour montrer que lui peut gouverner en démocratie. C'est sa revanche. Parce qu'il était un peu secoué par la conférence nationale. On a tout dit de lui. Et il est revenu par la force des choses pour faire 10 ans montrer oui, on peut, je peux le faire. Parce que moi, je suis militaire, je ne suis pas un homme politique, mais je peux utiliser les hommes politiques. Et il a dit qu'il était tranquille dans la figaro quand Albert Ewadier est venu le rappeler. Donc, effectivement, il était tranquille. On a dit bon, toi, le homme politicien là, l'homme à ceux qui ont lancé les pieds il y a 5 à 6 ans, reviens par ce gars. Il n'y a que toi pour diriger le pays. Alors Ségou en qui toute la conférence a pu, Ségou qui a incarné le renouveau africain, comment il revenait, Ségou, on ne peut pas dire qu'il a démérité en termes de déploiement d'efforts, mais il a démérité en termes de management des hommes, en termes de gestion des situations, en termes de porteur, de porte-parole, de pivot, donc des acquis de la conférence nationale, notamment concernant la gestion, le consensus dont certains parlent sans découvrir qu'on ne s'entende sur le contenu. Donc, quand on regarde, oui, il y a eu 3 chefs d'État avant Patrice Talon. Oui. Les 3, non, ça ne doute pas démérité, mais ils n'ont pas l'endurance, la générosité et l'abnégation de celui qui est là. Bientôt, dans 4 ans, que Patrice Talon fera la tête du pays. Un mot pour le résumer en quelque sorte. Pour moi, c'est un homme d'action courageux. Voilà. Pour moi, c'est un homme d'action courageux. C'est tout. C'est le courage. Pas plus. Parce que les autres ne manquent pas d'idées. Mm. Il faut avoir le courage. Pour foncer, il faut avoir le courage. Et ça, c'est un meneur. J'ai vu le commandant à bord du navire Bénin. C'est un bon titre. C'est vraiment un commandant à bord. Un chef de commande. Et de commandement. Comment on dit, s'il était militaire, je ne sais pas si on lui décernait le grade de maréchal, on le lui aurait décerné sans ticket. Si vraiment les critères, si tout le monde est aussi orienté vers les questions du développement, le management des hommes, et surtout vers le développement durable. Donc aucun secteur n'est abandonné. Épanier. Rien, l'humain est pris en compte. Le développement, les relations internationales. Regardez la situation, comment s'est gérée la crise avec le Nigeria. C'est rare en Afrique. Les gens auraient fait des langages, des propos discutoires à l'endroit du Nigeria. Les médias auraient entré dedans. Regardez, tout est calme. Le président a dit ce qu'il devrait dire. Regardez sa sortie à Dakar. Et tout le monde comprend le pli. Voilà, regardez ses sorties à l'international. Regardez au niveau donc de rapatriement de nos patrimoines, de certains patrimoines. Regardez au niveau du sport. Regardez au niveau de l'éducation qui semble devenir désormais un peu le leitmotiv, un peu. Regardez les micros. Regardez, il n'y a pas le secteur, on a parlé de l'asphaltage tout le temps. Il n'y a pas le secteur qui n'a pas été impacté. Et en 2019, plus c'est de ça que nous parlons. Regardez comment ça a été géré, cette crise. Moi, j'ai osé dire sur un plateau, je continue de le dire, ce n'était pas ici, mais pour moi,
Mathieu Kérékou était contraint, si Mathieu Kérékou était contraint d'organiser la conférence nationale pour nous sortir de la crise économique et nous aider à avoir une nouvelle constitution, Patrice Talon, lui, a décidé d'organiser le dialogue politique pour nous aider à poursuivre la réforme politique dans un environnement déjà sûr où on avait déjà fini les élections pour réunir encore les Suisses. La classe politique. Et ça, la classe politique. Et là, c'est un tort de ne pas saisir la balle au bout. Je pense qu'avec le temps, oui. Je vous finirai par la brunette. Je pense qu'avec le temps, on constatera. Et il faut que nous, intellectuels, moi, je veux qu'un débat s'instaure sur ces éléments-là pour que la jeunesse sache où est le repère. Il ne s'agit pas d'être sympathisant ou bien militant. Il faut voir où sont les grands courants de développement. Et au Bénin, comment pas avoir de repère lorsque le président de la République lui-même décide de regarder aujourd'hui au niveau des élections locales. On a facilité tout parce que les gens se sont incapables d'aller vers, d'aller faire, de prendre les pièces, d'anticiper. Mais t'as été obligé de dire, ok, moi j'ouvre tout. Mm-hmm. Mais on va évaluer après les législatives, avec les élections communales, combien peuvent participer malgré et cette ouverture. Tenir. Parce que les gens veulent créer, on est à 12 partis. Ils sont combien être en mesure aujourd'hui de créer, de conquérir les 10%. Donc, il faut un peu de rigueur. Ils vont chercher les boucs émissaires ici et là. Aujourd'hui, le président ouvre le jeu. Il a serré il y a un an. En disant, c'est les réformes, elles sont dures, mais on doit les affronter. Mais puisque nous sommes dans une démarche d'ambiance, de regroupement et de paix, ils lâchent pour que c'est les élections les plus locales possibles. La réalisation qui est touche la base. Oui. Ils ouvrent le jeu ouvert. Le quitus fiscal est délivré gratuitement, même pas les 5000 francs que les gens doivent payer. Mais c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas payer leurs dettes vis-à-vis de l'État. Mais au moins là, on leur délivre ça. Donc, les actes d'État civil, les gens doivent le dire. Donc, aujourd'hui, les gens n'ont plus de raison de dire c'est à cause de ci ou de ça qu'on n'est pas allé aux élections. Mais on va évaluer à la fin. C'est vous dire absolument. Que Patrice Talon, c'est vraiment un commandant de bord, c'est un chef d'équipe. Et j'espère que le pays saura tirer le maximum de lui. Parce que les gens vont disparaître aujourd'hui, c'est le coup. Il est décédé ? Oui. Soglo. Il est hors circuit, pratiquement, en dehors de circuit. Au plus, il est médiateur national. C'est-à-dire, c'est une personnalité qu'on va consulter. Mais il n'est plus dans l'action physique. Là, il a pris le dessus. Et d'autres, les adjoints, tous ceux-là qui. Regardez, Maître. L'autre, et le président de la conférence nationale. Monseigneur. Il est parti d'ailleurs à 9 ans après. Donc, ça vous dit que nous sommes tous des pèlerins, comme ça je dis. On vit, chacun monte sur sa scène. Ou des acteurs, on fait la scène et on disparaît. On fait la scène et on disparaît. Je pense que Patrice Talon a encore de la marge. Et il appartient aux Béninois de tout faire pour tirer de lui le maximum et que notre pays se lance sur des décennies et pour rester de manière durable. Merci, Agapit Maforekan. Romuald, oui, une attestation également. Tout à fait. Comme dans les autres domaines, donc domaine politique, une attestation de distinction, c'est bien évidemment à l'endroit donc, du président de la République, le premier citoyen du Bénin. C'est bien écrit son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Voilà. Donc, que nous allons montrer. L'attestation qui est bien là. Voilà. Donc, en tout cas, le comité d'organisation saura transmettre bien sûr ce document à qui de droit. Merci. Alors, avant de vous laisser partir à Agapit Maforekan, Romuald le rappelait à l'entame de ce panel, donc, vous êtes l'instigateur, vous êtes l'initiateur de l'homme de l'année. 2 ans après, est-ce que ça a les effets escomptés? Bien, là, c'est plus le conseil en politique. Non. Ok, donc, écoutez, je pense que nous avons besoin, donc, de faire participer nos téléspectateurs à un certain nombre d'actes. Ça, c'est par rapport à l'homme de l'année. Nous allons, cette année, on a associé le groupe de presse le matinal. Oui. Les années à venir, on va rendre ça encore plus ouvert avec un certain nombre de consommateurs de produits des médias, donc d'observateurs de l'actualité nationale. Ça va se faire plutôt en 3 phases. Il y aura le vote du public en même temps que des acteurs de la société, des observateurs de la vie politique nationale, de la vie publique, je veux dire, de l'action publique. Ceux qui décident, nos invités que nous faisons venir, qui circulent sur la télévision, qui suivent souvent l'actualité, qui commentent. Ils vont désigner même. Et nous allons, c'est les deux votes simultanés
qui vont être pondérés. Donc, on va dégager alors ceux qui font les, ceux qui auraient les meilleures positions. Donc, le public peut voter et nos observateurs ne votent pas. Les observateurs peuvent voter et le public ne vote pas. On verra comment faire pour qu'on dégage ceux qui font unanimité entre les deux votes. Et c'est eux qui vont être portés au niveau des médias. Au niveau des médias, je voudrais saluer le CNPA Bénin, le Conseil national du patrimoine de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'UPMB, et l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, qui ont accepté donc de participer à ce processus et qui ont donné de leur, hein, et depuis des ans. Le président François Coutinet, le président Basile Thibozo qui a laissé la mer, le président quand comment je l'appelle, non, mais pourquoi on parle pas là, lui a déjà remplacé Évariste Rodonou. Évariste Rodonou, qui voilà, Évariste Rodonou, très vite dans la capitale. Voilà, et puis le président Marie Richard, non, c'était le président de l'ODEM, c'est Guy Constant, c'est la même maintenant à. Donc là, ceux qui ont siégé, ils ont leur nom, donc depuis l'année dernière, cette année, merci à eux. Merci également au comité ici à l'interne, ils prenaient les. Elle siège tout le monde du comité. Bien sûr. Voilà, c'est au coin. C'est Yana Lao et toute cette équipe, tout le monde qui a travaillé. François-Xavier Lumont, un oui, manager. Oui. De tout ça, nous venons de finir une matinée très, très, très riche. Je voulais le saluer, François-Xavier, et toute son équipe, la régie, les différents, les cadres. Et tout le monde, je ne vais pas vous saluer Brunel et Rouy parce que vous allez prendre un plateau. Exactement. Et voilà, donc tout à l'heure. Mais c'est pour dire à nos téléspectateurs que ça tourne ici, ça tourne, c'est sans repos, c'est sans répit. Et c'est pour les servir. Merci à toutes et à tous. Et pour l'homme de l'année 2019, c'est terminé. Nous allons veiller à ce que 2020, et c'était ta question, nous allons veiller à ce que 2020 soit meilleur et pourquoi pas plus élargi si possible. Parce qu'il y a des personnalités qui font des merveilles. Moi, j'ai été particulièrement ému, mais touché, surtout agréablement émerveillé, comme si je ne suis pas redondant, par rapport à Gossou, c'était... Bella Gossou. Voilà, franchement, je ne suis pas trop un gros consommateur. C'est vrai, j'ai entendu parler de son œuvre, mais j'ai regardé l'élément sur elle, ça j'ai découvert. C'est gagné et je pense que beaucoup d'autres exactement. Alors, je connais Adolphe et si on m'avait dit de choisir, je l'aurais choisi lui parce que c'est lui que je connais. J'ai découvert. On a parlé des écureuils de ministre Oswald. Je pense que ça, c'est rien à dire. Mais j'espère que autour des écureuils, vous avez ajouté l'entraîneur, le sélectionneur donc, et son équipe. J'espère que vous avez ajouté le président de la Fédération Bénin de football et son équipe parce que les écureuils du Bénin, c'est au-delà des équipes, des joueurs qui jouent, c'est tout l'encadrement, le gouvernement, à travers le ministère des sports, mais des finances aussi qui met les moyens, l'entraîneur, le sélectionneur et ses agents et autres, sont l'équipe médicale et autres, et maintenant la fédération et tout ce qui, je pense, j'espère que chacun a pu y retrouver du sien. Merci à toutes. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Romuald Rouy, merci également pour ces résultats. Vous les connaissez désormais, l'homme de l'année, plutôt les hommes de l'année qui ont été retenus pour 2019 dans le domaine socio-culturel, Bella Agosu, dans le domaine sportif, le 11 national, et dans le domaine politique, le président de la République, Patrice Talon. Je vous libère. J'espère que il n'est pas l'homme de l'année. C'était le manager, donc j'ai parlé de nouveau. Je pense que c'était bien d'associer c'est les équipes internes. Je pense qu'ils vont continuer à piloter le dossier. Et les éléments que j'ai ajoutés actuellement, c'est eux qui gèrent. Je ne sais pas si vous voulez, je m'occupe de l'administration et des commentaires. Donc je pense qu'ils ont entendu. Ils vont essayer donc de vite aller pour que nous puissions grandir et faire grandir ce projet. Ouais. J'espère que dans 2, 3, 5 ans, on va avoir la culture de récompense des meilleurs. Je vous libère donc et je reçois un plateau commentaire juste pour quelques minutes avant de clôturer cette émission. We'll be right back.
Plateau commentaire, je l'annonçais, deux invités sur ce plateau. François-Xavier Noumont, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi, bonjour à tous ceux qui nous regardent ici et ailleurs. Vous êtes habitué du plateau, mais je suis un invité. Oui, chroniqueur, télé, analyste également, politique. Également sur ce plateau, nous avons Antoine Adoukonou. Bonjour Antoine Adoukonou, bienvenue. Bonjour madame. Acteur politique, vous avez suivi un peu le déroulement de ce projet L'Homme de l'année. Vous qui êtes un peu quand même extérieur à ce projet, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que c'est un très bon projet parce que ça va susciter en diverses personnes de diverses catégories à faire plus d'efforts pour espérer quand même un jour être le choix des Béninois ou des internautes. Donc je pense que c'est une initiative très louable. Très bien. François-Xavier Noumont, Bella Gossou, 11 National, Patrice Noumont, et Patrice Talon plutôt. C'est peut-être une communication. Je ne le soigne. Non, Patrice Talon. Les trois hommes donc, de l'année 2019. C'est vrai que ça, ont... les deux rimes en. Exactement. Voilà. Les trois hommes de l'année retenus pour 2019 qui ont impacté le Bénin. Quelle analyse vous faites? Je pense que je suis totalement en accord avec les choix des téléspectateurs et du jury. Bella Gossou, c'est une jolie découverte, on va dire, d'une cinéaste engagée qui a su tracer son chemin, qui a dû réussir à l'étranger, un peu comme la plupart de nos étoiles, hein. Mmh. Vous vous rappelez Timon Oussou, un peu plus. Quand même, quand vous prenez les écureuils, beaucoup ont fait se sont révélés à l'étranger pour qu'on puisse, la majorité en tout cas, qu'on puisse les appeler pour servir le pays. Donc, Bella Gossou, une belle découverte. Patrice Talon, on va dire une confirmation, même si chaque année a sa vérité. Et 2019 était particulièrement une année, on va dire, à la tonalité un peu plus politique, un peu plus sensible, on va dire. Il a su gérer l'année avec une maestria incomparable. On est passé très près du gouffre, mais on a su en sortir parce qu'il a su se mettre à la hauteur des enjeux du moment et a su faire bloc autour de lui et isoler ceux qui voulaient se mettre en marge de la légalité. Ce sur quoi on n'a pas pu insister le concernant, c'est peut-être une dimension qu'on ne lui connaissait pas, c'est la dimension à l'international, parce que sur des questions, on va dire casse-cou, où très peu de chefs d'État s'aventuraient. Je vais parler du CFA, je vais parler de ces questions-là qui ont le mérite d'embourber très tôt ceux qui s'y aventurent. Il les a abordés de façon inhabituelle avec le pragmatisme et une certaine dose de, comment on va dire, de simplicité. Il parlait avec son cœur et sa raison. C'est un président qui s'est fait l'alliage des deux et a mis le pied dans le plat de façon directe et a dit ce qu'il en pensait. Je pense que très peu de chefs d'État ont eu le courage d'aller dans ce sens. Et cette année, quand même, au-delà de ce que nous avons pu vivre à l'interne, a su révéler un président de la République qui n'a pas froid aux yeux et qui, même sur ces questions, comment dire, casse-cou, il a su faire entendre sa vérité, sa particularité à lui. Surtout que tout le monde adhère à cela. Sans tomber dans le populisme. Exactement. C'est parce que c'était un peu trop facile pour gagner des voix, pour gagner une approbation de l'opinion publique. On pouvait aller facilement dans le sens des agitateurs publics. Il a su faire entendre sa musique, mais de façon particulière, sans pour autant tomber dans la facilité qu'on connaît, parce que les places sont différentes. Ceux qui agitent la scène sont des agitateurs, ceux qui dirigent connaissent très bien la réalité du pouvoir au quotidien. Merci François-Xavier. Antoine Adoukonou, ces trois hommes de l'année ont été retenus. Quelle attente pour vous à leur niveau désormais, pour les prochaines années? Je parle beaucoup plus des hommes politiques qui sont retenus, à savoir le président Patrice Talon et Maître Adrien Mbidi. Je pense que, qu'est-ce que j'attends? Ce que j'attends, c'est qu'ils maintiennent le cap. Parlant de Maître Adrien Mbidi, je ne sais pas les critères qui ont poussé les internautes à voter pour lui, mais je note quand même que c'est un homme qui a préservé la paix,
Au-delà de tout, si nous devons nous référer aux événements que nous avons connus par rapport aux élections législatives où le PRD n'a pas été présent, comme d'autres partis, et si nous voyons le comportement que les anciens chefs d'État, Nicéphore Soglo Boni Yayi, ont eu face à ces événements, et le comportement d'Adrien Mbeji, il y avait un écart assez net en termes de préservation de la paix, oui, au-delà de tout. Donc, je crois que chez Zotterey, le président Adrien Mbeji a maintenu le cap, a toujours mettre au-dessus de tout l'intérêt général de la nation. Bien. Pareil pour le président Patrice Talon, qui est un homme très courageux, parce que ceux qui ont voté, ils ont bien voté. Mm-hmm. C'est pas parce qu'il a été l'homme le premier l'année passée. Non, ils ont bien voté. Parce que si vous, il y a quelque chose que peut-être que le public ne voit pas, mais que nous, en tant qu'acteurs politiques, nous vivons tous les jours. Lorsque vous voulez faire des réformes, on annonce les réformes, mais c'est que vous avez les réformés en face de vous, mais qui ne disent rien. Mm. Quand vous voulez faire les réformes qu'on est en train de faire, ça fait bien pour le peuple, mais ceux qui étaient les réformés, qui quand même étaient face à des avantages donnés, et ils ne sont pas d'accord. Mais ils ne le disent pas, mais ils se comportent comme tels. Et si vous voyez bien tout ce que nous avons vécu pendant les législatives, il y a une grande part qui est que les gens ne veulent pas changer de comportement. Sinon, l'opposition pouvait se conformer facilement au test, peut-être en faisant de grands regroupements, oui, mais ils n'ont pas voulu parce que en faisant cela, peut-être président de parti politique à vie, on ne pourrait plus l'être, on va perdre quelques espaces de pouvoir. Ils ont analysé tout et ils ont vu, non, il vaut mieux faire du chantage pour pouvoir ne pas permettre que les réformes avancent. Mais le ça président n'a pas marché. Talon il est courageux. Il sait là où il va. Et nous, on avait précisé entre-temps que en fait, c'est la réforme même qui gêne les gens. Aujourd'hui, vous avez la preuve, les gens, le récépissé, disent qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Très bien, donc, voilà. En fait, ce n'est pas le certificat qui empêchait les gens. C'est le rêve du jeu qui était dans les tests. On a aussi parlé du 11 national qui s'est révélé donc au niveau du sport, du domaine sportif. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Juste un mot, quelques 30 secondes. Non, ça l'a vu aussi de tout le monde. Le Bénin a franchi le cap des quarts de finale à la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de son histoire. Nous avons eu un ministre des Sports qui a été très actif et le gouvernement a mis la rigueur aussi pour que ces problèmes là ne pas en finir qu'il y a au niveau de la fédération de football, qu'on y mette terme et qu'on ait une équipe au niveau de la fédération qui accompagne les choses. Et le résultat ne s'est pas attendu. Alors, François. Oui, je pense, pour faire court, oui, au sujet de l'équipe nationale, je pense qu'il y a très longtemps que le Bénin a vécu ce moment-là d'effusion et de fusion nationale. Je pense que ces moments sont tellement rares qu'il faut le chérir. Rien ne présage de ce qui arrivera demain, même s'il y a une dynamique. Une équipe nationale, ça se renouvelle continuellement. Mais il y a, vous savez, j'aime dire que les équipes qui gagnent, comme le Cameroun, le Nigeria, ainsi de suite, mm-hmm, on se cultive au fil des temps. Il y a un esprit au fil des victoires. Le Bénin a retrouvé cet esprit. Je pense que le Bénin est en train de se construire un imaginaire collectif à travers cette équipe nationale et ce qu'ils nous ont offert pour cette année 2000, pour les quelques semaines passées au Caire, en Égypte. Je pense qu'ils nous ont procuré quelque chose d'unique et que nous allons chérir en attendant d'autres exploits et d'autres victoires. Bien sûr, d'autres exploits et d'autres victoires qu'on attend tous très prochainement. Alors, je vais vous laisser dire juste 15 secondes pour mot de fin. Non, simplement que rendez-vous pour l'année prochaine pour de nouvelles révélations. Personne n'attendait Bella Gossou. Absolument, cette année. Oui. Personne n'aurait imaginé au début de l'année 2019 que les écureuils allaient faire ce qu'ils ont produit. Personne n'attendait, même au niveau politique, que le PRD, malgré le séisme qui a été le fait qu'il n'est pas le fait de ne pas pouvoir participer aux élections législatives depuis 1990, personne, tout le monde avait parié sur le fait que
Porte-Nouveau allait prendre feu. Porte-Nouveau n'a pas pris feu simplement parce que le président Adrien Houngbédji a su calmer les choses et a su bien conduire sa base. Donc je pense que ces révélations, nous attendons de nouvelles révélations pour l'année prochaine. Et pour le président de la République, je vais citer, paraphraser Adrien Houngbédji en septembre lors de l'université de vacances. Nous le félicitons encore pour simplement pour résumer ce que le président a dit. Le président Talon est un bâtisseur, ça se voit, ça se constate, et voilà. Antoine Adoukounou. Non, moi c'est saluer simplement la compétence de ETL en termes d'innovation de la télé. Parce que c'est avec ETL que nous avons les nouveautés dans le pays. Très gentil, merci d'être passé sur ce plateau, même si c'était juste très très court. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce plateau spécial, l'homme de l'année 2019. Vous les connaissez désormais. Je les rappelle, donc Bella Agosou, le 11 national et le président Patrice Talon, ce sont eux les hommes de l'année. Et je ne vais pas quitter donc ce plateau sans remercier tous ceux qui ont travaillé pour donc la réalisation de cette émission. Je vais quand même nommer ceux qui ont réalisé les magazines. François-Xavier Noumont, Stanislas Amoy, j'ai toujours du mal avec son prénom. Marouf Abiola Boussari, Karina Denigny, Latif Ouboni et Isaac Adji. Sans oublier bien sûr toute l'équipe technique, la réalisation, l'infographie, le cadrage, les monteurs, la diffusion et bien sûr la rédaction. C'est si tôt nous trouvons au niveau du service commercial, le son également. Oui. Merci de le rappeler, le maquillage qui est là depuis très 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 tôt ce matin. Nous n'allons oublier personne, j'espère n'avoir oublié personne. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir de vous avoir présenté cette émission. Ce sera tout, donc on se retrouve une prochaine fois.